Jésus du Quercy. Un bouquin en papier. €17 parce qu'il est en couleur. Je vais vous feuilleter. Mais d'abord, cette couverture, elle vous semble pas un peu étrange? Moi, cette photo m'a fait une impression, disons, bizarre. L'impression de vie de l'homme sur cette croix, dans ce ciel. C'est l'origine de mon envie de publier un bouquin avec des photos de ces croix, que ce soit dans le Lot, ou à Golfech, ou dans le Tarn et Garonne, à Montaigu. Voilà. Et à une mise en valeur. Ça, oui, c'est dans la neige. Il y a parfois de la neige par ici. Limogne. À vue sec sur cette butte. Parfois dans des églises. Belle montée avec cette neige de nouveau et ce drôle de chapeau finalement. Voilà. Une couronne d'épines et une couronne de neige. Des longs cheveux. Et cette neige qui apporte quelque chose, d'après moi. Sainte-Croix, vous savez, avant c'était Sainte-Croix-des-Vaux, et maintenant c'est mon cul en cœur si blanc. Sainte-Croix-des-Vaux. Tout faille, là aussi. Quelque chose d'assez mystérieux. Azkaban, c'est à l'intérieur, c'était une croix de procession. Mon cul, oui, un tableau à Azkaban, des tableaux à Azkaban où, oui, derrière c'est bien une toile d'araignée. Saint-Laurent-le-Ny qui n'existe plus, Montaigu, ce Christ à la fenêtre. Ce bras cassé. J'ai pas tout commenté, et voilà ce Christ à Rouillac qui est une commune ancienne, très ancienne de Montcuq en Quercy blanc. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet. Le roman de la révolution numérique, c'est mon 6e roman et ses moutons, oui, certains se disent mais pourquoi des moutons mais... Qui est attentif à la beauté des vitraux de notre département? Le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. Un livre au tirage confidentiel, mais disponible en papier et en numérique. Pigeonnier Lotois, auto-édition, j'écris ton nom. Je pense pas que vous connaissiez ce bouquin. Peut-être avec cette vidéo, une recherche auto-édition. J'ai débuté un tweet auto-édition, j'écris ton nom. Il s'agissait de promouvoir mon 6e roman. Une pensée m'a stoppé net. Finalement, oui, c'est un titre de livre.
Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton, Montcuq. Alors...